Maintenant, projette-toi. C'est l'arme d'un chevalier Jedi. Une arme élégante, une époque plus civilisée. Contre un gadget télécommandé, d'accord. Mais contre un homme, c'est une autre histoire. Nous allons nous enchaîner. Rien ne pourra plus nous arrêter. Fais ce qu'on ne fait pas. Il n'y a pas d'issue. Désormais, accomplis ton risque. J'ai besoin que quelqu'un m'explique ma place dans tout ça. Ils ont coupé le réacteur central. Cette fois, la princesse Leia ne pourra pas s'échapper. Verrouille le sas et prépare les modules de sauvetage. Votre Altesse, la transmission a été reçue. Que nous ont-ils envoyé? De l'espoir. Nous passons au-dessus de Tatooine. Elle sera plus en sécurité avec un vieil ami. Tatooine? Alors nous devons aller au module de sauvetage, madame. Non, ils les scanneront pour détecter des formes de vie. Il faut la mettre dans un droïde. Oh, Seigneur. Ici votre capitaine.
Si vous avez entendu des sons étranges, il s'agit de turbulences liées à une invasion. Veuillez rester calme. Vise et tire. Respire. Allez, allez, allez! Ils sont là! Arrêtez-les! Ambassadeur, pouvons-nous commencer les négociations? Vador est dans le vaisseau! Il me semble coincé. C'est pour ça que nous devons amener ces plans à Tatooine, et vite! Où est ce droïde? Ok, ça a l'air d'aller maintenant. Capitaine, s'il vous plaît, ne dites plus ça.
Il me faut des renforts. Je répète, j'ai besoin de renforts. Dame, le chemin est bloqué. Nous devons trouver un moyen de continuer. Alors utilisons les plans de l'Empire à bon escient. On dirait plus une lune qu'une étoile, à mon avis. L'alimentation de cette porte. Où sont les cellules d'énergie? Vite! Pour ce truc, 318. 318? Je suis 764. Tu te moques de moi? Ouais, 318. Je croyais que t'étais 318. Non! Je suis 184. À ma télé! À la façon de l'Empire! Nous en sommes bien conscients, amiral. Vous êtes piégés! Ils arrivent! Attention là-bas! Au nom des profondeurs de la grande fosse d'Umgeles, c'est un flot sans fin!